peuvent. Alors aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a fait. Vous savez, avec ces conditions météorologiques, honnêtement, pour sortir et arriver ici, il faut vraiment être déterminé. Je ne sais pas si Dieu a précisé dans le témoignage, mes soeurs, le vendredi. L'heure était déjà avancée ce vendredi. Il pleuvait le vendredi et l'heure était déjà très tard. Elle était fatiguée, elle avait mal, elle s'est couchée. Et elle s'est réveillée, elle s'est rendue compte que c'était déjà presque l'heure. Elle a quand même tenu à venir à l'église, clôturer les 60 heures. Et elle avait été présente pendant chaque jour pour honorer Dieu, pour servir Dieu dans la prière pendant les 60 heures. Et vous savez quoi? Quand elle est arrivée, à la dernière minute, quand elle a seulement ouvert la porte, le pasteur est en train de déclarer des paroles. À l'instant, elle a été guérie. Et son témoignage est touchant parce que la pluie aurait pu l'empêcher de venir. Elle a dit, malgré la pluie, je vais quand même aller finir les 60 heures. Et Dieu nous a fait la grâce de nous engager dans cette alliance à le servir dans le jeûne de la prière chaque jour afin que notre pays change, afin que notre continent change, afin que nos familles changent, afin que le règne de Dieu soit établi, la volonté de Dieu soit établie, afin que l'on voit que Jésus est réellement Seigneur. Quelqu'un me dit amen. Nous sommes vraiment reconnaissants. On veut juste donner juste quelques images pour faire de notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pendant cette semaine de prière, cette semaine de 60 heures de prière. Aujourd'hui, je voudrais, alors que le dernier jour, c'est demain, c'est vrai, le dernier jour a commencé déjà aujourd'hui pour nous. La semaine dernière, Dieu nous avait dit les forteresses qu'on appelle les Jéricho. Lorsqu'ils sont allés prendre la ville de Jéricho, Jéricho était une forteresse. La forteresse est un endroit qui est imprenable, un endroit qui a l'air irrésistible, inaccessible, un endroit qui est dur, qui perdure, qu'on ne peut pas prendre d'assaut, qu'on ne peut pas vaincre. Il avait dit dans 7 jours, vous allez le prendre. Et aujourd'hui, tu vas prendre les forteresses qui paraissent irrésistibles, qui paraissent inaccessibles. Tu vas le prendre ce matin, quelqu'un me dit un bon amen. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin de l'année, c'est vrai, dans le dernier dimanche de l'année, demain c'est, en fait le dernier jour c'est déjà aujourd'hui pour moi. Et vous voyez, il y a des choses que je veux voir établir dans ma vie, il y a des choses que je veux voir Dieu accomplir dans ma vie, il y a des choses que tu n'as pas envie, il y a quelqu'un ici, il y a des choses que tu n'as pas envie, tu ne veux pas qu'elle te suive l'année prochaine, tu ne veux pas rentrer le 31 avec. Il y a des choses que tu veux voir, tu as dit Seigneur, il faut que ça change, ça doit changer avant le 31, ça doit changer. Or tu sais que Dieu ne répond pas aux pleurs, il ne répond même pas aux cris, il répond à la foi. Donc s'il y a un cri, mais il n'y a pas la foi qui va avec le cri, Dieu ne peut rien faire. Mais si quelqu'un dans son cœur a la foi que cette parole c'est pour moi, comme ce frère, on t'envoie l'argent, on te donne l'argent pour te soigner. Il prend l'argent, au lieu de se soigner, il prend l'argent, il sème dans l'offrande. Mais enfin, mais Dieu voit un cœur de foi, un acte de foi, et Dieu le guérit. Oh, mais dis amen. Vous savez pourquoi Dieu l'a guéri? Parce qu'il est venu honorer Dieu. Donc nous sommes le 30, et puis il y a des choses, honnêtement, pour toi, je ne sais pas, mais pour moi, il y a des choses qui doivent changer. Et ne dis pas que c'est fini tant que ce n'est pas encore fini. Et tant qu'on n'est pas demain soir, ce n'est pas fini. Et puis d'ailleurs, comme Dieu est un Dieu de commencement, c'est aussi un Dieu de fin. Mais quand il y a la fin, il y a aussi un autre commencement. Donc ça veut dire que quelles que soient les saisons dans lesquelles je suis, il y a quelque chose, il y a un dépôt, il y a une grâce que Dieu veut manifester. Mon frère, si tu es venu ce matin avec ces conditions terribles de circulation, des conditions de vie dans la vie de Brazzaville, mon ami, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux recevoir, que Dieu veut te donner. Hein? Je disais, celui qui vient ce matin, honnêtement, beaucoup veulent venir, mais ils n'ont pas pu être là. Même toi, logiquement, tu n'aurais pas dû être là. Si tu es là, ça veut dire que tu es un privilégié. Heureux ceux que Dieu admet dans sa présence. Heureux ceux que Dieu invite à se tenir devant lui, à se tenir dans sa présence. Oh, qu'il est bon et doux, agréable pour les frères de demeurer. C'est là que l'Éternel envoie là. Il y a une bénédiction spéciale qui doit reposer sur toi aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu comme de règlement de compte divin. Ouais, c'est un jour aujourd'hui où Dieu veut juger. Voilà pourquoi, comme dit le pasteur Anissé, celui qui devait être là, il est là. Celui qui devait être là, il est là. Celui qui ne doit pas être là, il n'est pas là. Ce n'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est toi qui es là. Si c'est à toi que je pardonne, amen.
C'est le jour où Dieu veut régler ses comptes. En fin d'année, Dieu veut régler ses comptes. J'ai donné une parole, j'ai dit, Seigneur, tu veux vraiment que je donne cette parole-là? Dois-je vraiment donner cette parole-là? Il m'a dit, parle. Dans le psaume 94, au verset 1, il est écrit, Dieu des vengeances. Dieu de quoi? Dieu des vengeances. Dieu de quoi? Dieu des vengeances. C'est-à-dire celui qui vient régler les comptes à tes ennemis. Parce que tes ennemis sont les mêmes ennemis de Dieu aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si Dieu est ton père, si Dieu est ton père, tes ennemis sont les ennemis de ton père. Si ton père a des ennemis, les ennemis de ton père sont aussi tes ennemis. Et Dieu veut régler les comptes de quelqu'un aujourd'hui. Dieu des vengeances éternelles. Dieu des vengeances. Ça, c'est la prière qui vient de ton cœur. Seigneur, assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il te dit, oui, je suis le Dieu des vengeances. Le Dieu qui vient exercer le jugement. Dieu des vengeances, ô éternel, Dieu des vengeances. Fais briller ta splendeur. Autrement dit, lève-toi. Manifeste-toi. Élève-toi juste de la terre. Rends le salaire ou encore la récompense aux orgueilleux. Il y a des gens qui sont orgueilleux dans le mal. Il y a des gens qui sont prétentieux dans le mal. Ils sont vantards. Et il dit au verset 3, jusqu'à quand les méchants, ô éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Jusqu'à quand ceux qui commettent le mal ou encore les ouvriers d'iniquité se répandront-ils en insolence, en discours insolent? Jusqu'à quand ceux qui font le mal vont-ils se glorifier? Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils tuent la veuve et l'orphelin, et ils mettent à mort l'étranger, ils mettent à mort les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y prend point garde. C'est une grosse erreur parce que Dieu voit tout, Dieu entend tout, Dieu sait tout. Mais Dieu est un Dieu de 16 ans. Dieu est un Dieu de 16 ans. Il y a des temps stratégiques, il y a des temps spécifiques que Dieu fixe afin de manifester sa gloire, afin de manifester sa récompense, c'est-à-dire sa rétribution. Il y a une œuvre, il y a une récompense pour tous les actes qu'on pose. Les actes bons et les actes mauvais, il y a toujours un moment où Dieu doit donner ce qu'on appelle le salaire. Quelqu'un me dit amen. Il y a des gens, toute cette année, se sont levés prétentieusement contre l'Église, contre les intérêts du royaume des cieux, contre le peuple que nous sommes, le peuple que Dieu s'est acquis par son propre sang. Dieu dit, il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, il va manifester ses jugements, il va manifester sa vengeance. Je vous dis que l'année qui vient, l'année 2018, là, c'est une année où on va réellement voir la vengeance de Dieu s'établir. On va voir la rétribution de Dieu être manifestée avec force et puissance. Autrement dit, toi, quand tu vas rentrer dans 2019, tu ne rentreras pas avec désespoir ou avec angoisse ou tristesse. Tu rentreras avec joie parce que tu sais que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. C'est une saison nouvelle. Et dans les saisons nouvelles, Dieu fait toujours des choses nouvelle. Quelqu'un dit amen. Quand on dit Jésus a opéré, il a opéré, il opère. Je te dis qu'il a déjà opéré et tu vas le voir se manifester. Toutes sortes de miracles, tu le verras se manifester. Si je parle à quelqu'un, dit amen. Donc en cette fin d'année, le Seigneur m'a dit qu'il veut, il va exercer des jugements. Il va exercer des punitions. Il va exercer des sanctions contre les méchants. Qui sont arrogants, qui sont prétentieux, vantards. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où les orgueilleux gonflent la poitrine, et puis il y a un temps où il est temps qu'ils soient dégonflés. Il est temps qu'ils soient dégonflés. La Bible dit dans l'Ecclésiaste chapitre 8, au verset 11, c'est parce qu'une sentence, c'est-à-dire un jugement, une sentence contre les mauvaises actions, lorsqu'elle n'est pas exécutée promptement, rapidement, le cœur des hommes se remplit du désir de faire le mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne font le mal parce qu'ils n'ont jamais été punis. Il y a des gens qui font le mal, ils n'ont jamais été sanctionnés. Il y a des gens qui font le mal parce qu'on ne leur dit rien ou parce qu'on tarde à agir. Mais Dieu peut agir maintenant contre tout ce qui se lève contre son peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est le peuple de Dieu? Dit amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est le peuple de Dieu? Dit amen. Et lorsque Dieu dit, je veux exercer mes jugements, je veux manifester mes punitions, mon ami, Dieu est très sérieux. Et tu peux être sûr d'une chose, quand Dieu envoie sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et sache déjà une chose, quand Dieu dit, je veux exercer mes jugements, ça veut dire que quand toi tu vas prier pour qu'il donne les jugements, il va les faire. Dans le psaume 65, il est écrit,
que Dieu, dans sa bonté, dans sa justice, lorsque nous crions à lui, il nous repent toujours par des prodiges. C'est-à-dire des choses spectaculaires, des choses inhabituelles, des choses incompréhensibles. C'est ce que tu vas vivre dans le nom de Jésus le Christ. C'est à toi que je pardonne un meilleur amen. Il écoute les prières. Et dans sa bonté, dans sa justice, il nous exauce par des prodiges. Alors la question, c'est que comment Dieu va-t-il exercer ses jugements en cette fin d'année et en début d'année qui commence? Comment Dieu va-t-il exercer ses jugements, exécuter ses jugements? Dis avec moi, comment? Une bonne question, parce que lorsque Dieu veut s'en prendre aux ennemis de son peuple, il doit manifester ses jugements. Comment va-t-il le faire? Rappelons-nous d'abord, lorsque Dieu nous a donné un premier échantillon, son peuple avait été pris en captivité. Lorsque le peuple de Dieu avait été emmené en captivité en Égypte pendant 430 ans, le peuple avait crié à Dieu, « Oh Dieu, interviens, oh Dieu, agis, oh Dieu, secours-nous, oh Dieu, sauve-nous. » Il criait, il criait, il criait. Dieu regardait, il y avait un temps. Mon ami, il y a toujours un temps où Dieu va intervenir. Et quand Dieu intervient, il faut être là quand il intervient. Quand Dieu va manifester, il faut savoir reconnaître les saisons. Et tu es dans le temps de la manifestation, de la rencontre, de l'intervention de Dieu. Dis amen, c'est à toi que je parle. Il y a toujours un temps, il y a toujours un temps. Et lorsque les temps ont été fixés, alors Dieu a envoyé Moïse. Alors Moïse est venu. Moïse a été envoyé par Dieu. Moïse a commencé à opérer des signes, des prodiges, des miracles. Et au bout de 9 miracles et signes, Pharaon a eu des coups, mais il n'a pas plié. Nous connaissons la plupart d'entre nous l'histoire. Pharaon n'a pas fléchi les genoux. Pharaon n'a pas libéré le peuple. Le peuple était en captivité. C'était un système terriblement difficile. Personne ne pouvait s'échapper de l'Égypte. Ils avaient mis en place le système d'esclavage, d'asservissement, de servitude le plus méchant, le plus terrifiant, le plus dur, le plus incassable. Personne ne pouvait libérer le peuple d'Israël. C'était impossible. Et toute la multitude des autres peuples qui étaient esclaves en Égypte, personne ne pouvait sortir. Ils avaient des bourreaux très armés, très forts, très bien entraînés. Personne ne pouvait les échapper à la main de Pharaon et de toute son armée puissante. Personne ne pouvait rien y faire. Et Moïse, en déployant son bâton et en exécutant les jugements de Dieu, même moi, à un moment donné, Moïse était fatigué. Il dit, mais ce n'est pas possible, le gars, il doit plier, mais il ne plie pas encore. Il résiste encore. Dieu dit, je n'ai pas encore joué ma dernière carte. Et la dernière carte de Dieu, Dieu dit à Moïse dans Exode 1, dans Exode 11, il dit, bon, regarde, jusque-là, il a résisté. Mais tu vas voir, je veux faire quelque chose maintenant que tu n'as jamais vu encore. Et dans Exode 11, verset 6, il dit à Moïse, quand je veux faire cette chose-là, tu vas voir qu'il y aura des cris dans tout le pays d'Égypte. Il y aura des grands cris tels qu'il n'y en a jamais eu. Autrement dit, les gens vont crier de douleur. Le monde des ténèbres va crier d'angoisse. Le monde des ténèbres va crier de terreur. Il y a quelque chose que je veux faire qui va les terrifier. Ils vont dire, quelque chose va arriver dans ta vie, dans ta famille. Hein? Il y a quelque chose que Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, hein, c'est ma dernière carte. Le sang d'un agneau. Prenez le sang d'un agneau, mettez-le sous les portes de vos maisons. Cette nuit, quelque chose va se passer. Il dit dans Exode 12, au verset 12, il dit Moïse, cette nuit-là, assez c'est assez, je suis le Dieu des vengeances. Quand je me lève en faveur de mon peuple, quand je ne dis rien, les méchants croient que je n'ai rien fait. Les méchants croient même que je n'existe pas. Les féticheurs, les devins, les enchanteurs, les sorciers, les magiciens, ils croient que je ne vois rien. Et ils prolifèrent, et ils opèrent dans le mal, et ils tuent des victimes innocentes. Ils croient que je ne vois pas. Mais assez, c'est assez. Moïse, prends les agneaux, prends un agneau dans chaque maison, qu'on égorge l'agneau, qu'on prenne de son sang et qu'on mette sur les portes et sur les fenêtres. Et cette nuit même, le destructeur va passer et je vais frapper tous les premiers-nés en Égypte. Ils vont tellement être frappés qu'ils vont dire, ah non, non, partez, partez, partez. Il dit, tous les démons, le système des ténèbres, l'esclavage satanique dans lequel nous sommes enfermés, va sauter en un instant. Ça va s'écrouler comme un château de cartes. Pourquoi? Parce que j'ai ma dernière carte pour juger mon peuple. Dis amen. Il dit, je veux juger les dieux de l'Égypte. Oh, quelqu'un dit amen.
et dit je suis l'Éternel. Autrement dit, ne blague pas avec Dieu. Ne blague pas avec Dieu. Il est l'Éternel. Et au verset 29 de Exode 12, il est dit qu'alors l'Éternel frappa au milieu de la nuit tous les premiers-nés. Et il y a eu des grands cris en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y eut pas de mort. Il y eut quoi? Il y eut des grands cris. Dieu l'avait dit dans Exode 11, Dieu l'a accompli dans Exode 12. Quand Dieu dit quelque chose, il va toujours le faire. Quand Dieu a dit, il va le faire. Quand Dieu a dit, il va le faire. Quand Dieu a dit, il va le faire. Dans la même nuit, verset 31, alors Pharaon et tous ses serviteurs ont dit, allez, levez-vous, sortez, 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 allez-vous-en, allez servir Dieu. C'est ça, libère-nous pour aller. Il y a quelqu'un ici, tu es libéré pour aller servir Dieu pleinement. Libéré pleinement pour aller servir Dieu. Si c'est à toi que je pardonne, amen. Au verset 41, il est dit, au bout de 430 ans d'esclavage, 430 ans de servitude, il est dit, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Tout le peuple de Dieu sortit du pays d'Égypte. Est-ce que quelques-uns seulement ou tout le peuple? Quelques-uns ou tout le peuple? Tu es dedans, tu sors. Tu es dedans, tu sors. De tous les systèmes de captivité, de tous les systèmes de prison, des prisons démoniaques, des prisons sataniques. Mon frère, écoute-moi. Aujourd'hui, Dieu va parler. Et la qualité de ta manière de répondre à Dieu va déterminer le niveau de sortie que tu vas expérimenter. Ce n'est pas la peine d'attendre le 31. Ça commence aujourd'hui. Ça a commencé toute cette semaine. Ça a commencé en réalité depuis le 31. Mais Dieu nous amène toujours saison après saison, de gloire en gloire. Aujourd'hui, il enlève ça. Demain, il enlève ça. Après-demain, il enlève ça. Après-demain, il enlève ça. Il y a quelque chose que Dieu doit enlever dans ta vie aujourd'hui. Et comme tu es venu pour honorer Dieu, Dieu veut t'honorer ce matin. Si c'est à toi que je pardonne, amen. Ah oui, parce que pour venir ce matin, il fallait vraiment que ton cœur ait envie d'honorer Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin qui est venu pour honorer Dieu? Est-ce que tu es venu pour honorer Dieu? Alors le même Dieu que tu es venu honorer va t'honorer ce matin. Il va exécuter les jugements contre ce qu'on appelle les méchants. Dans ta famille, il y a des méchants. Dans nos familles, il y a toutes nos familles là. Il y a toujours des gens qui sont des méchants, qui coopèrent avec le monde des ténèbres. Ils sont méchants. Ils ne veulent pas te voir sourire, ils ne veulent pas te voir t'épanouir, ils n'aiment pas ton bonheur. Non seulement il y a des méchants spirituels, des esprits démoniaques, mais aussi des méchants humains qui coopèrent avec ces esprits démoniaques. Dans toutes nos familles, il y en a. Et Dieu va exercer son jugement, sa sanction, sa punition contre tous les méchants. Si c'est à toi que je pardonne, un meilleur amen. Il dit le jour même. Toutes les armées de l'Éternel, autrement dit, tout le peuple de Dieu est sorti. Est-ce qu'il y a un peuple de foi qui est prêt à sortir? Ah non. Comment est-ce qu'on sort? À Moïse, il a dit, vous sortez par le sang de l'agneau. Et dans 1 Pierre 1, Dieu nous enseigne souvent ce passage. Dans 1 Pierre 1, au verset 18, il est écrit, vous savez. Ah oui, comme dit le pasteur, vous devez le savoir. Il faut que tu le saches. Dieu veut nous rendre conscients. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou par de l'argent, que vous avez été délivrés, rachetés, c'est-à-dire libérés, délivrés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. On appelle cela l'héritage des ancêtres ou encore l'héritage des pères. L'héritage des pères, l'héritage des ancêtres. Tout le monde ici est né sur la terre, dans une ville, dans un village, quelque part sur la terre. Et dans ce lieu-là, il y a un héritage que tu ne découvres, que tu découvres seulement au fur et à mesure. Tu ne sais même pas que là où tu es né, il y avait un héritage que tu avais déjà donné, que quelqu'un avait déjà décidé avant toi, que grand-père, que grand-grand-grand-père, grand-grand-grand-maman avait déjà décidé. Elle avait sacrifié, elle avait donné. Bon, ça, c'est mes enfants pour toute ma postérité, dans ma famille, là, dans le pouvoir, et je te donne mes enfants. Quelqu'un me dit, aïe, je continue. On a tous un héritage. On n'aura pas le temps d'en parler, mais on en parle tellement depuis plusieurs semaines maintenant. Pour ceux qui sont en matin en prière, dis amen. Voilà. Il y a un héritage. Il y a un héritage qui vient de la famille. Il y a un héritage qui vient des ancêtres. Et il est mauvais. Il est démoniaque. Il détruit les vies. Il crée des infirmités. Il crée des blocages.
Beaucoup de gens sont victimes de l'héritage. Mais je n'en veux pas. Oui, mais tu l'as. Ça t'est imposé. Tu n'en veux pas, mais c'est là quand même. Tu n'as rien fait, mais c'est là. Tu ne dors pas la nuit. Tu ne vois que des serpents. Tu ne vois que des serpents. Tous les soirs, c'est serpents. Tout ce que tu vois, c'est blocage. Tu as des maux de tête, tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu ne comprends pas pourquoi c'est là. Depuis quand c'est là, tu ne sais pas. Ça a commencé une fois et ça ne s'est pas arrêté. Et des fois, c'est cyclique. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Ces maladies qui font cyclique, 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 périodique. Pourquoi? C'est un héritage que tu as reçu. Et la seule manière d'être délivré de cet héritage, il dit, vous devez savoir que ce n'est pas par de l'or, par de l'argent. Donc ne donne pas de l'argent à quelqu'un en pensant qu'il va te libérer de ça. Non. Honore Dieu et crois dans le sang qui a été payé pour ta délivrance, pour ta rédemption. La réponse de Dieu au problème des hommes, la réponse de Dieu au problème des hommes, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu lui-même. Il vient par le Fils, on l'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Sa mort est un sacrifice. Le Père a sacrifié son propre Fils afin que quiconque croit dans le Fils ne soit pas perdu, n'ait plus à souffrir, n'ait plus à subir. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, pas par des broutilles, pas par des petits gris-gris. Bon, je veux être libéré, je te donne une offrande. Non, c'est par le sang précieux de Christ. Uniquement le sang précieux de Christ. Christ est l'offrande que le Père a donnée aux hommes. Christ est le sacrifice que le Dieu des cieux a accordé aux hommes. Sa mort est un sacrifice, son sang versé. Celui qui croit dans le sang de Jésus, dont la puissance de ce sang précieux, sans défaut, sans tache, celui-là qui s'appuie sur ce sang précieux de Jésus, va vivre l'héritage, va sortir de l'héritage des ancêtres pour vivre l'héritage en Christ. Si tu crois, il dit, tu as été délivré. Au verset 18 et 19, par le précieux sang de... Quand on veut sortir de l'héritage des ancêtres, on ne cherche pas à gauche, à droite, on cherche le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus qu'on est délivré de cet héritage. Si quelqu'un me suit, dit amen et je continue. Quand Dieu veut exécuter ses jugements, ses punitions, Dieu utilise l'arme du sang. Oh, dit amen. Il utilise l'arme du sang. Il prend l'arme du sang. Il te dit maintenant, utilise l'arme du sang. Parce qu'ils l'ont vaincu. Apocalypse 12, verset 11. À cause du sang. On commence d'abord par le sang. Et à cause de la parole. Dit amen. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils étaient poursuivis par Pharaon. Ils étaient poursuivis par Pharaon et son armée. De la même manière, beaucoup qu'on est dans le royaume, on est encore poursuivis. C'est normal. Ils ne lâchent pas prise aussi facilement. Mais je suis né de nouveau. Oui, ils te poursuivent. Ils poursuivent. On appelle des réclamations. Il dit non, pas lui. Il appartient ici. C'est là maintenant que la plupart des gens subissent parce qu'ils ne savent pas comment contrecarrer, comment réagir, comment s'opposer aux poursuivants. Il dit amen et je continue. Mais tu dois savoir une chose. Si Dieu veut juger tes ennemis, tu dois t'y prendre en t'appuyant sur ce que Jésus a fait. Sur son sacrifice, sur son sang précieux. Quelqu'un dit amen et je continue. Dieu exerce ses jugements par le sang. Aujourd'hui, le sang va parler pour toi. Demain, le sang va parler pour toi. Après-demain, le sang va parler pour toi. Le sang parlera pour toi tous les jours. Et c'est toi qui dois le faire parler. Quelqu'un dit un bon amen et je continue. Ah mon frère, quand on parle du sang, il faut honorer le sang. S'il n'y a pas le sang de Jésus, tu ne serais pas enfant de Dieu. S'il n'y a pas le sang de Jésus, tu ne serais pas né de nouveau. S'il n'y a pas le sang, tu ne serais pas pardonné. C'est par le sang de Jésus, par le sang du pasteur ou du prophète ou du bishop. C'est par le sang précieux de Jésus de Nazareth seul qu'on est libéré. Quelqu'un me dit amen et je continue. Comment est-ce que Dieu exécute ses jugements? Dieu exécute ses jugements par le feu. Viens avec moi par le feu. Viens avec moi par le feu. Ah oui, fais attention au feu. On parle du feu qu'on appelle le feu de Dieu. Littéralement, on parle du feu de Dieu. Dieu répond par le feu, pourquoi? Au moins pour deux choses. Ce n'est pas les seules, mais au moins deux. Un, Dieu répond par le feu. Dis avec moi le feu. Dis avec moi le feu. Il répond par le feu pour marquer son approbation à une prière. Quand Dieu agrée la prière, dans 1 Chronique 21, verset 26, après que David ait fait pécher tout le peuple d'Israël, David est allé faire une offrande à Dieu. Il a bâti un autel à l'Éternel. Il a honoré Dieu, il a fait des sacrifices d'action de grâce. Il a dit, je te loue, Père, de ce que tu délivres ce peuple. Je te rends grâce, ô Éternel, mon Dieu, de ce que tu es notre protecteur, notre sauveur.
notre bouclier, nous t'honorons. Il a offert ce qu'on appelle des sacrifices d'action de grâce, comme ce que tu vas faire aujourd'hui et demain. Je te loue de ce que tu m'as béni. Je te loue de ce que tu m'as délivré par ton sang précieux versé pour moi à la croix. Je te loue de ce que tu es mon Seigneur, tu es mon Rédempteur, tu es mon Libérateur, tu es mon gâteau, tu es ma passion, tu es ma cerise, tu es ma joie, tu es ma paix. Je te rends gloire de ce que tu es mon tout, tu es mon absolu, tu es ma nécessité. Ô Éternel, mon amour, ô Éternel, ma forteresse. Ô mon, comme une biche soupire après des eaux vives, mon âme soupire après toi. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la célébration d'un cœur qui est reconnaissant. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Oh, je t'adore parce que tu es digne d'être honoré. Éternel, tu m'as pardonné. Éternel, tu nous as sauvés. Éternel, tu nous as fortifiés. Toute cette année, oh Éternel, tu nous as fait du bien. Même au milieu des problèmes, tu as été fidèle. J'ai vu ta fidélité. J'ai vu ta bonté. Je célèbre tes œuvres. Je célèbre tes louanges. Ce ne sont pas les morts qui peuvent t'honorer, mais c'est nous les vivants qui pouvons rendre gloire. Jésus reçoit la gloire. Jésus soit béni. Abba, Père, sois célébré. Sois honoré. Mon âme veut te célébrer, mes yeux veulent te célébrer. Je te contemple de ton sanctuaire parce que tu es mon papa, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon époux, tu es mon libérateur. Ô Éternel, qui est comme toi, très digne de louange, opérant des grands prodiges là-haut dans le ciel et ici sur la terre. En cette fin d'année, je te bénirai, je te célébrerai, je dirai la gloire de ton nom. Reçois la gloire, l'honneur, la louange, reçois mes actions de grâce. David était en train de prier. Quelqu'un dit Amen. Quand David était en train de faire ça, il a touché le cœur de Dieu. Et la Bible dit, redonne-moi le verset, la Bible dit que l'Éternel, David donc invoqua l'Éternel. Oh, et l'Éternel, il répondit par le feu. Ah, le feu a consumé le sacrifice, consumé l'Holocauste. Dieu voulait dire, ta prière d'aujourd'hui, le feu va tomber dessus et il va consommer. Aujourd'hui, tu vas invoquer le feu et Dieu répondra par le feu pour dire ta prière, je l'exauce. Dis Amen. Dans quelques instants, on va prier. Et quand tu vas prier, ta prière d'action de grâce, de célébration, Dieu va dire, mon fils, j'approuve ta prière et j'envoie le feu. Dis Amen. Dans le feu, c'est déjà un signe, un symbole de l'approbation divine. Oh, quelqu'un dit Amen. Pareil, lorsque Salomon acheva de construire le temple et il a prié. Oh, dans 2 Chroniques 7, verset 1, il est écrit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel. Et il consuma l'Holocauste et les sacrifices. Première chose, le feu descendit. Deuxième chose, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Ce matin, le feu de Dieu va descendre pour consumer toute activité des méchants qui ont été plantés en toi. Et ce n'est pas tout. Et la gloire du Seigneur va te remplir. La gloire de Dieu va te remplir. C'est-à-dire, toute cette semaine de prière et de jeûne, nous avons expérimenté un rafraîchissement spirituel. Mais le rafraîchissement, là, c'est toujours niveau après niveau. Aujourd'hui, il y a un niveau supplémentaire. Ah, quelqu'un me dit Amen. Pourquoi Dieu répond? Comment Dieu répond par le feu? Premièrement, pour marquer l'approbation. Mais deuxièmement aussi, Dieu répond par le feu pour punir les méchants, pour punir les rebelles, pour sanctionner, pour juger les rebelles, pour juger les œuvres du diable, pour juger, pour condamner, pour détruire les pouvoirs de méchanceté. Ces esprits méchants qui travaillent avec des hommes méchants, Dieu répond par le feu pour les sanctionner, pour les punir. Quelqu'un me dit Amen. Dans Luc chapitre 17, il est écrit, ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Jésus dit, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, planifiaient et ils bâtissaient leur maison. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie, une quoi? Une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr tous les méchants, fit périr tous les méchants, fit périr toutes les œuvres du diable. Aujourd'hui, ils vont périr. Aujourd'hui, ils vont périr. Aujourd'hui, ils vont périr. Tout ce qui te tourmente va périr. Ils vont être rôtis par le feu, ils vont devoir lâcher prise. Il y a quelqu'un ici, ça fait longtemps que tu attends la délivrance de Dieu, c'est aujourd'hui.
Et comme tu es venu honorer Dieu en ce jour de dimanche, t'inquiète pas. Même s'il y a une seule personne que ça concerne, tu es quand même qualifié. Dieu n'est pas impressionné par la majorité. Jésus est allé à la piscine de Bethesda. Il y avait beaucoup de malades. Il a guéri seulement un malade. Est-ce que tu es le un malade que Dieu veut toucher ce matin? Ah. Il y avait des foules. Tu vas dire, mais pourquoi il n'a pas guéri tout le monde? Non, il y avait quelqu'un qu'il avait choisi de guérir. Quelqu'un dont le cœur était disposé. Quelqu'un dont l'attitude était disposée. Quelqu'un qui voulait rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu es ce quelqu'un aujourd'hui? Je suis convaincu par l'Esprit de Dieu que quelqu'un va expérimenter le feu de Dieu dans quelques instants. Ah oui. Et tous tes oppresseurs vont savoir que réellement ton Dieu est un feu dévorant. Ah. Dis amen et je continue. Dis amen et je continue. Le feu tomba du ciel et les fit périr. Les méchants vont périr. Tous ceux qui ont parlé contre ta vie vont périr. Ouais. Tout ce qui était trop dur à casser va être cassé, ça va périr aujourd'hui. Dans Ésaïe chapitre 66, au verset 1, verset 16 je crois plutôt, il est écrit que l'Éternel entrera en jugement avec toute chair, ou encore l'Éternel exercera son jugement. Dieu va exercer comment? Son jugement. Comment il exerce son jugement? Par le feu et par l'épée. L'épée, c'est encore une autre manière par laquelle Dieu exerce ses jugements. Quand tu dis que l'épée du Seigneur atteigne tous mes ennemis, que l'épée du Seigneur détruise tout ce qui se lie contre moi, tu n'es pas conscient, hein? Mais il y a une épée puissante qui se déplace au son de ta voix. Oh, dis amen. Il dit, il exerce ses jugements par le feu. Dis amen. Le feu de Dieu, on appelle encore le feu du Saint-Esprit, va être manifesté dans quelques instants. Et même pendant que je suis en train de parler, il y a quelques-uns qui vont commencer à sentir ce feu de Dieu. La Bible dit que lorsque Pierre était en train de parler dans la maison de Corneille, Pierre, il parlait. Pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient dans la pièce. Et ils furent tous remplis. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu va commencer à manifester le feu. Oh, quelqu'un me dit amen. Il y en a trois sur la terre qui rendent le témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois ne sont que un. 1 Jean 5, verset 8. Il y en a trois sur la terre qui rendent le témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Le Saint-Esprit. Quand on parle du feu, on parle d'une des manifestations du Saint-Esprit. Une des manifestations visibles de l'esprit. Il se manifeste tellement de manières que personne ne peut dire qu'il y en a cinq. Non. L'Esprit de Dieu est insondable. Il sait tout, il voit tout, il entend tout. Mais on sait qu'une des manières par laquelle il se manifeste, c'est qu'il envoie le feu. Il est le feu. Il est lui-même le feu. Et il consume les ennemis. Et il répand. Oh, quelqu'un dit amen. Dans Ésaïe 64, le prophète, il est en train de crier à Dieu. Il soupire. Il dit, oh Dieu, si tu déchirais le ciel. À une époque en plus où Israël était malmené, Israël était menacé, ils étaient tourmentés par les méchants. Alors Ésaïe dit, ah, il fut un temps, ah papa éternel, il fut un temps. Quand tu marchais devant nous, il fut un temps. Quand tu nous as délivrés de l'Égypte avec des signes, des prodiges miraculeux. Là on est maltraité, on est malmené. Oh Dieu, si seulement tu déchirais les cieux, si seulement tu fondais le ciel et tu descendais, si tu voulais descendre et que devant toi les montagnes tremblent. Si tu descendais comme le feu brûle les broussailles. Donc Dieu peut descendre comme un feu qui brûle les broussailles. Comme un feu qui fait bouillonner l'eau. Il dit, mais pourquoi tu le ferais? Il dit, pour faire connaître ton nom à tes ennemis. Il y a des gens qui doivent savoir que ton Dieu est vivant. Oh. Il y a des gens qui travaillent avec le monde des ténèbres. Ils vont savoir que le Dieu qui a ICC est un Dieu vivant. Ils vont savoir que le Dieu qui est invoqué dans ce lieu, dans le palais de gloire, est un Dieu vivant. Ils vont savoir que c'est un feu dévorant. Quelqu'un dit amen en l'honneur de notre Dieu. Il dit, il faut que les gens te connaissent. Répands par le feu. Il est en train de demander à Dieu, Seigneur, interviens par ton feu. Et détruis, dévore, dis amen.
Ça me rappelle l'histoire de Élie dans 1 Roi chapitre 18. Lorsque le peuple était dans l'idolâtrie, dans la rébellion, dans l'apostasie, ils avaient oublié Dieu. Et Élie était un zélé. Et il dit, non, vous devez revenir à Dieu. Le peuple dit, non, nous on sert Baal, on sert Astarté, on sert les démons, on sert les reines du ciel, on sert toutes sortes d'entités démoniaques. Il dit, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Il dit, mais on ne croit pas. Quelqu'un ne croit pas que ton Dieu est Dieu. Par toi, ils vont savoir que ton Dieu est Dieu. La qualité de ton amen détermine la révélation qu'ils auront de toi. Comment? Ils vont savoir que ton Dieu est Dieu. Là-haut dans le ciel, ici sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Ils vont le savoir au travers de toi. Oh non! Alors Élie est en train de dire, Éternel, les prophètes de Baal, 850, ils ont fait des sacrifices, des incisions, ils ont versé le sang. Rien ne s'est produit. Rien ne s'est passé parce que Dieu avait décidé de se manifester ce jour-là. Et tous les démons, les sorciers, les principautés, les dominations ont dit, là Dieu va apparaître. Quand son feu va venir, les amis, sauf qui peut. Et les prophètes, les augures, les magiciens ne savaient pas que les gens qui avaient l'habitude de leur apparaître, ces démons n'allaient pas apparaître aujourd'hui. Et pourquoi? Ils savaient que quelque chose allait se passer. S'ils apparaissaient, ils allaient rôtir. Ils allaient brûler, dire qui est fou. Les amis, éloignons-nous là-bas, là. Le type là est déterminé à invoquer le feu de Dieu. Gardons nos distances. Du matin jusqu'à l'après-midi. Oh Baal, réponds-nous. Toutes sortes de divinités qu'ils ont invoquées. Oh démon, sirène, d'habitude tu me réponds. Serpent, dragon, crocodile, réponds-moi. Oiseau, réponds-moi. Je te vois pareil d'habitude. Pourtant tu es avec nous. Je dis, qui est fou? Aujourd'hui, on n'est pas là. On sent que le type là, c'est un type de foi. C'est un homme de foi. Il a pris la foi. Il a pris le langage de la foi. Oh, il sait que son Dieu est un feu dévorant. Les amis, restons un peu en arrière. Qui est fou pour aller mettre sa tête là où ça brûle? Oh, ça va brûler aujourd'hui, dis amen. Non seulement ça brûle maintenant, ça va brûler ce soir, ça va brûler cette nuit, ça va brûler encore demain et après-demain, ça va brûler. Quelqu'un dit amen et je continue. Alors Élie a commencé à invoquer Dieu. Il a dit, Seigneur, je suis seul, confirme ta parole. Seigneur, réponds. Seigneur, réponds-moi. Ils sont là, ils ont fait leur prière, le feu n'est pas descendu. Parce qu'on avait dit que celui qui allait répondre par le feu, c'est celui-là qui est vraiment Dieu. Tu entends? Il dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Or le feu, c'est la propriété de Dieu même. C'est la nature même de Dieu. On l'appelle le feu dévorant. Parce que les autres là, ils peuvent produire du feu, mais ils ne sont pas des feux. Ils peuvent allumer des feux, mais ils ne sont pas des feux. Lorsque le feu vient, tout ce qui faisait allumage de feu doivent s'écarter et laisser la place. Il a invoqué l'Éternel. Et la Bible dit, il dit Éternel, dans 1 Roi 18, réponds-moi, afin que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Et comme Dieu ici, il aime ça. Il est avec moi, papa, il aime ça. Il voulait finir, il voulait régler le compte de tous ces méchants. Verset 38. Et le feu de l'Éternel, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Dis avec moi, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit tomba et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il absorba l'eau. Autrement dit, il a foudroyé tout ce qui était tout autour. Même l'eau a été embrasée. Les pierres ont été embrasées. Tout a été embrasé. Quand le feu se manifeste, mon ami, tu as besoin de ce feu dans ta vie. De ce feu dans ta vie. Oh, quelqu'un me dit amen. Et là, dès qu'ils ont vu, quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est ce que les méchants diront à ton sujet. C'est ton Dieu qui est Dieu. Ils vont dire quoi? C'est ton Dieu qui est Dieu. Ils vont reconnaître que Jésus le Christ est réellement le Seigneur. Après avoir tout essayé pour t'avoir, ils n'ont pas pu. Ils vont reconnaître que ton Jésus là, il est vraiment ressuscité d'entre les morts. Il est vivant et il règne. Si je parle à toi, tu dis à moi amen pour ton Jésus. Oh, on a un meilleur amen pour ton Jésus ressuscité. Un dernier meilleur amen pour Jésus ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, son feu va parler.
son feu va parler. Mais alors, comment mettre en mouvement le feu? Comment invoquer et voir le feu de Dieu se manifester? Comment juger? Un, par le sang. Deux, par le feu. Et n'oublie pas la bonne nouvelle. Après que le sang de l'agneau de Dieu ait été répandu abondamment entre le jardin de Gethsémané et la croix du calvaire, il a commencé dans Gethsémané avec les grumeaux de sang et il a fini sur la croix du calvaire. Jésus de Nazareth. Et après, quand on l'a mis sur la croix, on l'a percé sur le côté. On l'a vidé de tout son sang. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu qui a payé le prix pour notre délivrance, pour notre rédemption, notre salut. Ah oui, gloire soit rendue à Jésus. Et tu remarqueras que quand l'agneau a été crucifié, l'agneau a été, il a rendu l'esprit, il est descendu, il est mort, il est descendu dans le séjour des morts. Et l'agneau de Dieu, le troisième jour, il revient d'entre les morts. On l'appelle maintenant l'étoile brillante du matin. On l'appelle le vainqueur des nations. On l'appelle le ressuscité. On l'appelle le prince de la vie. On l'appelle le juste. On l'appelle le saint. On l'appelle le Christ. Et lorsqu'il est ressuscité, il apparaît à ses disciples. Écoute, après que le sang a été versé, regarde ce qui se passe. Il va apparaître aux disciples pendant 40 jours. Au bout de 40 jours, il dit, bon, maintenant, moi, le Christ, je repars d'où je viens. Il est remonté dans la gloire. 10 jours plus tard, c'était le jour de la Pentecôte. Il dit, je vais revenir. Vous m'avez vu par le sang. J'ai été crucifié. J'ai versé mon sang. Mais dans quelques jours, vous allez recevoir une grande puissance. Dunamis, une puissance explosive. Et ce jour-là, dans Acte 2, ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Et brusquement, on voit arriver qui ? Le glorieux Saint-Esprit. Mais il apparaît sous quelle forme? Il dit, il vire des langues semblables à des langues de feu. Ta langue aujourd'hui est embrasée ce matin par des langues. Ta langue est en feu. Parce que il s'agissait là d'une manifestation du glorieux Saint-Esprit. Mais quand il est venu par le feu. Le feu est toujours lié au sang. Le sang est toujours attaché au feu. C'est à cause du sang que le feu a été libéré. C'est à cause du sang qui a été versé que la puissance du feu a été manifestée. Que le feu de Dieu répand. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Le sang versé, le feu arrive. Le sang honoré, le feu arrive. Pour juger les méchants, pour détruire ceux qui t'empêchent de devenir ce que Dieu t'a appelé à devenir. Il y a des entités qui te réclament. Elles s'opposent à toi. Elles te combattent le jour, la nuit. Elles s'opposent à ce que Dieu veut faire avec toi. Et Dieu dit, tu t'appuies sur le sang et tu envoies le feu. Tu t'appuies sur le sang et tu envoies la puissance du feu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Mais comment m'appuyer sur le sang et envoyer le feu? Oh mon Dieu, il y a une troisième manière, ce n'est pas la seule, par la parole. Sans la parole, le sang ne servira à rien, le feu ne servira à rien. Il faut que quelqu'un utilise l'arme de la parole. Il faut que quelqu'un utilise sa bouche pour parler. Il faut que tu engages la force de la parole. La parole parlée, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? N'oublie pas, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole. Ce qu'ils ont dit que le sang avait fait pour eux. Il faut engager. Si tu n'engages pas la parole, il ne se passera rien. La Bible dit que Dieu envoie ses ordres sur la terre. Et sa parole, elle sort. Elle court avec vitesse. C'est la parole qui sort, qui court avec vitesse, qui va te toucher ce matin. Je répète qu'il y avait un seul qui avait été puissamment visité dans la piscine de Bethsaïda. Dieu n'était pas en colère. Non, Dieu répond toujours à la foi. Il ne répond pas à la détresse, il répond à la foi. Et la qualité même dont tu réponds quand il te parle détermine la foi que tu as. Quelqu'un me dit amen et je continue. La parole. Il a dit, si quelqu'un dit, il faut que quelqu'un dise. Si quelqu'un parle à cette montagne, il y a des montagnes devant lesquelles tu ne parles pas. Voilà pourquoi elles sont là devant. Il faut parler pour qu'elles dégagent. Si quelqu'un dit,
si quelqu'un parle à cette montagne, il faut parler pour dire, montagne, qu'est-ce que tu fais ici? Esprit de mort, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu chercher qui? Tu t'es trompé de cible. Je ne suis pas prenable. Mon heure, ce n'est pas maintenant. Je ne peux pas mourir. Tu n'as rien à faire chez moi. Dégage de ma maison. Quelqu'un dit amen. Si quelqu'un dit, si quelqu'un parle à cette montagne, il dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de la mer. Et si tu ne doutes pas, voilà pourquoi pendant des semaines et même des mois, Dieu nous a enseigné à vaincre l'incrédulité, à combattre, à refuser, à protéger ton cœur de l'incrédulité. Dis amen. Mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Si ce que tu dis tout à l'heure, si tu crois, tu ne doutes pas, parce que Dieu l'a dit, tu le verras s'accomplir. Ce n'est pas les sensations, ce n'est pas le surnaturel, ce n'est pas le spectaculaire. Les personnes qui ont été guéries cette semaine, elles ne sont pas tombées forcément. Non, je ne sais pas, mais on sait seulement qu'elles ont été guéries. Quelqu'un dit amen. Les justes doivent parler. La raison pour laquelle l'ennemi prospère, c'est parce qu'on ne parle pas. En 2018, Dieu nous a appris à parler. Il nous a beaucoup enseigné sur la foi. En 2019, il va nous apprendre maintenant à aller posséder nos possessions en nous appuyant sur la foi. Nous allons aller maintenant arracher nos possessions. Arracher, prendre par la foi. Voilà pourquoi la foi doit être travaillée. Quelqu'un me dit amen. Est-ce qu'il y a des justes de Dieu dans ce lieu ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été lavés par le sang de l'agneau et qui sont déclarés justes aux yeux de Dieu ce matin? Les justes doivent parler. On ne dira jamais assez, il faut toujours le répéter. Il faut parler. Proverbe 12, versets 6 à 7. Il est écrit, les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Les paroles des méchants sont des pièges, des traquenards pour faire répandre le sang. Mais la bouche des hommes justes les délivrera. Qu'est-ce qui va te délivrer? Ta bouche va te délivrer. Les méchants veulent verser ton sang. Il dit, mais ta délivrance viendra par ta bouche. Il dit, renversez le méchant. Et il n'est plus. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois renverser le méchant. Comment? Par ta bouche. Il faut que ta bouche dise, méchant, je vous renverse. Méchant, je vous abats. Ta bouche doit parler. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Ta bouche doit... Et par tes paroles, les méchants vont être renversés. Tout est dans la parole. Est-ce que tu entends ce que Dieu dit ce matin? Tout est dans la parole. Il envoie sa parole. Elle court avec rapidité et parole la libère. La parole est guérie. La parole est délivre. La parole est puissante. Et la parole qui sort de ta bouche, elle est puissante. Satan t'a fait croire pendant longtemps que ta parole n'est pas importante. C'est faux. Il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui parle avec la foi. Ce n'est pas une question d'âge. Il peut avoir 17 ans, comme les David à l'époque, mais dire à des Goliath, Goliath, tu es gaillard, c'est vrai, mais je veux te terrasser. Ce n'est pas un gars de 40 ans. Hein. À l'époque, il avait 17 ans. Goliath, toi là, tu fais peur à toute l'armée d'Israël. Je ne suis pas un soldat, je ne suis pas un général, mais je suis fils de Dieu, chouchou de Dieu, enfant de Dieu. Goliath, toi, tu vas tomber. Il parle. Va-t-il petit, tu es orgueilleux. Oui, c'est de l'orgueil spirituel en Jésus-Christ. Je suis orgueilleux en Jésus-Christ. Je suis vantard en Jésus-Christ. Oh, dis amen. Par ta bouche, tu peux renverser les méchants et être délivré de leurs pièges. Mais pour ça, il faut apprendre à utiliser ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Qu'est-ce que tu en fais? Ne dis pas, aïe, j'ai mal. Je ne peux pas avoir mal. Je refuse d'avoir mal. Le mal ne fait pas partie de mon héritage. Aïe, aïe, je refuse d'avoir mal. Et même quand tu n'arrives pas à parler, on sait que là tu es en train de parler. Oh, si c'est à toi que je parle, dis amen. Il est écrit, lorsque les justes crient. Il n'a pas dit quand il prie seulement. Hein. Il y a des moments où prier, c'est bon. Il y a des moments où prier, ce n'est pas suffisant. Il dit, lorsque les justes crient. Je suis allé chercher la définition de ce mot en hébreu. Il dit, c'est lorsque les justes poussent des cris. Lorsqu'ils appellent à l'aide. Au nom de Jésus. Lorsqu'ils poussent des cris. L'Éternel entend.
Non, assez, c'est assez. L'Éternel entend. Seigneur, je plaide la justice de Dieu. Ah, l'Éternel entend. Oh, dis amen pour toi-même. Seigneur, tu as souffert pour moi. Je n'ai pas à souffrir davantage. L'Éternel entend. Et pff, il les délivre de toute leur détresse. Aujourd'hui, Dieu te délivre de toutes les formes de détresse. C'est à toi que je parle, donne un meilleur amen. Si c'est à toi que je parle, donne un meilleur amen. Des fois, il faut savoir crier à Dieu. Il faut vous dire, Seigneur, je refuse. Il dit, l'Éternel entend. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, sur son peuple. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Il voit les réclamations. Il entend les souffrances. Il dit, mon fils, ma fille, utilise ma parole. Parle ma parole. Ne parle pas de dire, aïe, aïe, j'en peux plus, j'ai mal. Parle ma parole. Mais Seigneur, pourquoi je veux parler ma parole? Voilà le secret, ma fille, mon fils. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Et comme un marteau qui brise le roc en pièces? Ça veut dire quoi? Que quand tu parles la parole, tu libères le feu. Quand tu parles la parole, en fait, ce que les ennemis voient venir, c'est un feu. Quand tu parles la parole, en fait, ce que les méchants vont expérimenter, c'est une destruction de leurs œuvres. Et destruction en pièces. Oh, quelqu'un dit amen. Toutes les fois que tu parles, quand tu es conscient, tu viens d'envoyer, c'est comme si tu viens de libérer un missile qui va atteindre sa cible. Quand tu dis je prophétise, je plaide, je commande sous la tête du méchant que le feu tombe sur lui. Ne t'inquiète pas. Ce que tu as dit là, si tu le crois, toi tu ne sais pas où se trouve même le méchant. Tu ne sais même pas où se trouvent tes ennemis. Mais quand tu as parlé contre tes ennemis, Dieu les localise comme un missile à tête chercheuse. La parole sort de ta bouche. C'est la bouche de Dieu qui parle. Et elle court avec rapidité. Peut-être qu'ils sont à Djambala. Peut-être qu'ils sont à Paris. Peut-être qu'ils sont en Inde. Peut-être qu'ils sont en Chine. En train de faire les goulets gris-gris. Ce n'est pas mon problème. Mais ils vont savoir qu'il y a un missile qui a été lancé depuis le palais de gloire. Et qui va sortir. Oh, est-ce que c'est à toi que je parle ce matin? Ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc? Dans le psaume 130. Psaume 29, il est écrit que la voix de l'Éternel, elle fait jaillir des flammes de feu. Je suis en train de te dire ça, que tu sois conscient que la parole qui sort de ta bouche, elle est puissante. Ce n'est plus ta parole à toi, parce que Dieu habite en toi. Ça devient la parole de Dieu qui sort par ta bouche. Est-ce que tu comprends le mystère? Chaque parole qui sort de ta bouche avec la foi, elle vient de sortir de la bouche de Dieu. Parce que Dieu a établi son quartier général à l'intérieur de toi. La bouche de Dieu, c'est ta bouche. La main de Dieu, c'est ta main. Les pieds de Dieu, c'est tes pieds. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Donc, quand tu parles, ce n'est plus ta parole qui parle. C'est la parole de Dieu qui parle. Et elle court avec vitesse. Et elle court avec rapidité pour exercer les jugements contre les œuvres du diable. On dit amen. La voix de l'Éternel, elle est puissante. La voix de l'Éternel, elle est majestueuse. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. Elle fait trembler les déserts sataniques. Elle fait trembler les lieux déserts. Quand tu parles, elle dépouille les forêts. La voix de l'Éternel, elle est puissante. Elle est majestueuse. Mais où est l'Éternel? Il habite en toi. Il habite en toi. Tu dois être conscient. Tant que tu n'es pas conscient, ça ne marchera pas. Tant que tu ne crois pas ce que Dieu dit à ton sujet, ça ne marchera pas. Que Dieu t'ouvre l'intelligence. Que Dieu t'ouvre l'intelligence qui te rende capable de voir que sa parole est la vérité. Aujourd'hui, que la voix du Seigneur retentisse contre tous les méchants qui veulent te nuire et te détruire. Vous savez, je vais bientôt terminer. Je suis en train de parler pour que tu sois d'abord conscient de comment Dieu exerce ce jugement. Par le sang précieux de Christ. Et le sang amène ensuite le feu sur les méchants.
Mais ça, c'est engagé par là. Par là. Si tu ne parles pas, tu vas subir. Ne sois pas quelqu'un qui dépend des paroles des autres. Pasteur, prie pour moi. Dis une parole pour moi. Je peux dire, mais toi-même, parle. Toi-même, parle. Tu connais l'histoire de Gédéon? Gédéon, Juges chapitre 6. Voilà un jeune homme que Dieu veut bénir. Un jeune homme qui est pauvre, qui est fatigué, qui est paumé, qui a échoué toute sa vie et qui est, sa famille, c'est la dernière des familles. C'est la tribu, c'est le dernier de la famille. En tout, il est dernier. Et Dieu vient le voir. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il dit, ah qui, moi, moi mon cas, je suis un jeune, je suis foutu, il n'y a pas d'espoir, il y a le chômage, il n'y a pas d'études. Il dit, j'ai dit que tu es un vaillant héros. Quand Dieu a dit ça là, logiquement, Gédéon devait seulement dire, bon, je me lève, mon histoire vient de changer. Si Dieu m'appelle vaillant héros, ça veut dire que Dieu a déjà dit que je suis vaillant héros. Il a déjà fait de moi un vaillant héros, c'est-à-dire un homme de valeur. Est-ce qu'il y a des hommes de valeur dans ce lieu ce matin? Est-ce qu'il y a des femmes de valeur dans ce lieu ce matin? Il faut croire qu'il y a plus de femmes vaillantes que d'hommes vaillants. Est-ce qu'il y a des hommes vaillants ce matin dans ce lieu? Faites-le savoir. Est-ce qu'il y a des femmes vaillantes de Dieu dans le lieu ce matin? Les frères, les sœurs l'ont emporté devant le trône de la grâce. Donc, plus de sœurs auront des miracles ce matin. Ah oui. Et les femmes disent un bon amen. Gédéon était appelé par Dieu. Dieu lui dit, c'est toi que j'ai choisi pour aller délivrer Israël. Alors Gédéon dit, oui, Dieu m'a appelé. Mais Gédéon avait un problème. Quel problème? Son père était un adorateur de Baal. Dans sa famille, là, il y avait quelque chose là. Que Dieu lui dit, si tu pars affronter Madian, si tu pars faire la guerre, comme Israël, quand ils sont sortis, je les ai délivrés. Mais Pharaon les a poursuivis. Parce que pendant 400 années en Égypte, le diable avait installé ce qu'on appelle des autels sataniques qui parlaient constamment contre eux. Or, c'est à travers des autels que les démons généralement sont manifestés. Ils sont envoyés en mission à travers ces différents autels. C'est un peu comme leur plateforme de décollage et d'atterrissage. Est-ce que quelqu'un me suit dit amen? Ils partent en mission envoyés depuis des autels. Des lieux, des grottes qu'on fait spécialement. On voit visiblement ça ressemble à rien. Mais spirituellement, ce sont des lieux de départ et d'atterrissage. Dieu dit à Gédéon, tu as un grand destin pour être le juge, le chef de ton peuple. Mais il y a un autel là dans la famille de ton père là qui est en train de te réclamer. Quand tu vas faire des choses, les démons auront le droit de te, pas le droit, mais ils auront encore accès à ta vie pour t'empêcher de manifester ce que tu dois manifester. Gédéon, ne laisse pas faire. Lève-toi. Renverse l'autel de la maison de ton père. Détruis cet autel qui est dans la maison de ton père. Parce que si tu veux aller très loin, un jour ou l'autre, ça va te rattraper. Quand on va aller très loin, on détruit généralement les choses du passé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, il faut les détruire. Selon qu'il a dit dans Deutéronome 7, verset 5, c'est juste un passage parmi tant d'autres, mais il y en a tellement. Il dit, vous au contraire, vous agirez à leur égard. Deutéronome 7, verset 5, il dit, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, leurs totems, leurs idoles, leurs totems. Vous brûlerez au feu leur image taillée. Il dit, Israël, ne blaguez pas avec les autels. Vous allez quelque part, dans vos maisons, il y a toujours des autels. Détruisez-les. Comment? Par la parole. Par la parole. La parole est une force créatrice. Oh, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. À toi qui es venu ce matin, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Le pouvoir de la prophétie, le pouvoir de la proclamation, le pouvoir de la déclaration. Autel, autel, ainsi parle le Saint-Esprit qui habite en moi. Autel de la maison de mon Père, ainsi parle le Saint-Esprit. Il a dit dans Ézéchiel 5, 35, pardon, il dit, fils de l'homme, prophétise contre la montagne de Séir. C'est-à-dire, lève-toi, mets-toi en face et parle avec assurance, parle avec audace, parle à la montagne de Séir. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, j'en veux à toi, méchant,
J'en veux à toi, démon. J'en veux à toi, sorcier. Et toi là, esprit de serpent qui m'a tourmenté pendant des années, je me lève contre toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Il dit, la main du Seigneur vient sur toi. Je fais de toi une désolation. Je fais de toi une consternation. Un endroit dévasté. Ça veut dire, je t'abats, je t'écrase. Il faut faire deux choses. Un, réprimer les esprits. Deux, détruire. Parler pour démolir tous les autels de ta famille qui parlent contre toi. Ils conspirent contre toi. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Moi, je n'ai pas besoin de savoir qui est qui, quel démon a fait quoi. Mais je me tiens dans la justice de Dieu. Je m'appuie sur le sang de Jésus. Il est écrit qu'en lui, par son sang, nous avons la délivrance. Quand Satan dit, pourquoi tu veux sortir de la prison? Le sang de Jésus a été versé pour moi. Je pars. Tu ne peux pas me bloquer. Je pars. Tu n'as pas le droit sur ma vie. Je pars. Je ne t'appartiens pas. D'ailleurs, mes enfants ne t'appartiennent pas. D'ailleurs, ma famille ne t'appartient pas. Mon époux, mon conjoint ne t'appartient pas. Oh, quelqu'un dit Amen ici. Quelqu'un dit Amen ici. Il dit prophétise. Parle. C'est ce que toi, tu dois apprendre à faire. C'est ce que Dieu nous a beaucoup enseigné cette année. Apprendre le pouvoir de la proclamation. Le pouvoir de la déclaration. En m'appuyant sur la justice de Dieu. La justice de Dieu a été manifestée lorsque Dieu a sacrifié son propre fils. Et puisqu'il a sacrifié son propre fils, alors il a dit qu'il veut tout me donner. Pourquoi tu veux continuer à souffrir pour rien? Dis-moi qui te tourmente aujourd'hui. Est-ce que c'est quoi? Mal de tête? C'est quoi? Échec répété? C'est un esprit qui est derrière ça. Commence, tu tombes. Tu commences, ça échoue, tu dois recommencer à chaque fois. Même pour avoir un avancement, tu n'arrives pas à avoir un avancement. Même pour avoir un avancement dans la vie, tu n'arrives pas. On avance, tout le monde ne sait jamais toi. Pourquoi? Quand ton nom vient, on le barre. Qui le barre? C'est un esprit. Il est là pour te faire répéter constamment échec après échec. C'est un esprit. Tu vas le laisser faire ou tu vas le mettre dehors? Tu vas lui dire comme, écoute, toi esprit méchant, par le sang de Jésus-Christ et par le feu de Dieu, je détruis tes œuvres ce matin. Est-ce que tu entends ce que Dieu dit? On n'aura pas le temps de prier totalement aujourd'hui, non. Mais de toute manière, t'inquiète pas. On a beaucoup de plateformes de prière. Dis Amen. Et en plus, en 2019, par la grâce de Dieu, on aura des nuits de prière un peu plus souvent maintenant. Dis Amen. Qui est derrière toi? Qui t'empêche d'affronter ton destin? Qui t'empêche d'être épanoui? C'est quoi, le mariage? Tu n'arrives pas à avancer dans ton mariage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose constamment à ton mariage? Par le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de feu, ces œuvres dans ta vie doivent être détruites et elles sont détruites ce matin. Ta bouche, pendant quelques instants, il y a des gens ici, dans nos familles, dans nos maisons, il y a des autels qui ont été érigés en l'honneur du serpent. Cet autel-là, il faut parler. L'autel du serpent. Qui manigance constamment, et tu vois constamment des serpents autour de toi, ils doivent fléchir et être rôtis aujourd'hui. Ils doivent être dévastés, détruits par le feu et par le feu aujourd'hui. Quelqu'un me donne un bon Amen. Il y a tellement à dire, il y a tellement à faire. Aujourd'hui, lève ta main droite. Il a dit prophétise. Il a dit le parle toi-même. C'est par le sang de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus, que nous avons été délivrés de l'héritage des ancêtres. Est-ce que tu es conscient que tu as un héritage ancestral? Mante lobra kaba satako rababa. Lebrako si yakaba rababa. Likako rababa. Rimante lebrokosa. Prophétise, mon frère. Il faut que ta voix se fasse entendre. Est-ce que tu sais qu'il y a dans ta famille, il y a un autel qui a été consacré au serpent? Tu es habité par des esprits de serpent. Tu es oppressé par des esprits de serpent. Autel de serpent dans la maison de mon père. Autel de serpent de la maison de mes ancêtres. Autel de serpent.
dans le nom de Jésus le Christ, dans le nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus, j'envoie le feu sur tout autel de serpent. Randeko bobo shakata, rababa rebobo sikata baba, lekaba rebaba rebaba rebaba, ribababa so rekata yababa, likababa rababa bababa si, rebabo sakata baba. Le serpent de la pauvreté, le serpent de l'adultère, le serpent de l'impureté, le serpent de l'échec, rababo sekete ribababa. Il faut que tu parles, prophétise contre l'autel de ta famille. Les bravabos, les totems sont rôtis ce matin. Par le feu, rabababare, les cabarets, nos katababa, ekekeke, oh rababa. Par rebabos, eketeke rebaba, les bracos, sikata, les cabarets baba. Glorieux Saint-Esprit, Esprit de feu, Esprit de feu, Esprit de feu, les brababo se kataba, et katarabaya, les rebabo se tekaba, et korababababa, les korababababa, si kakatarabababa, rabako se, rebababo se. Je veux compter jusqu'à 3. Quand je vais dire 3, sur l'autel de serpent dans la maison de ton père qui te tourmente aujourd'hui, tu vas mettre ta main sur ton front et tu vas, quand je vais dire 3, tu vas dire le feu du Saint-Esprit. Et ce feu divin, par ta parole, va emmener le feu pour détruire ces autels maléfiques, ces esprits démoniaques qui sortent de ces autels. Tout serpent aujourd'hui, python, prokosababa, boa, tout serpent qui tourmente les âmes qui sont là assemblées ce matin pour honorer Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ, et à cause du sang qu'il a versé pour nous racheter, nous délivrer du pouvoir des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis 1, tu diras le feu du Saint-Esprit, 2 et 3, le feu du Saint-Esprit contre tout autel, tout serpent, esprit de serpent, dans le nom de Jésus, j'envoie le feu sur tout autel de serpent, tout esprit de serpent, serpent des reins, serpent rouge. Au nom de Jésus, le feu, nous détruisons vos œuvres, nous détruisons vos autels. Est-ce que tu es en train de détruire? Dis-je, détruis les autels. Autel du serpent, j'envoie le feu dans la maison de mon père. Autel qui a été érigé pour le serpent, j'envoie le feu. Les cabarets, bababababa, nous renversons les autels qui parlent contre nos progrès. Nous renversons les autels de maladie, esprit d'infirmité, par le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. J'envoie le feu. L'écho rababa, pekababa, réclame le feu, réclame le feu, demande le feu sur tout esprit d'infirmité, sur tout esprit de maladie, tout esprit de maladie, sur tout esprit de maux de tête, toute infirmité. Est-ce que tu as mal à la tête? Envoie le feu sur la tête. Le feu! Le feu! Le feu! Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Le feu de Dieu consume tout esprit de maladie. Tout esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Le feu! Et de misère. Dans le nom de Jésus. Esprit de blocage et de limitation. Libéré par le feu dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prophétiser? Demande le feu, parle le feu, annonce le feu.
Rokabare baba. Nekare baba obosika. Riba baba. Est-ce que tu es en train de prophétiser? Est-ce que tu es en train de commander le feu pour détruire toutes les situations inconfortables de ta vie? Toutes les œuvres du diable. Parle à tes ennemis, à tous ceux qui te rendent malade. Si c'est l'échec, envoie le feu sur l'échec. Si c'est la stabilité, l'instabilité, envoie le feu sur l'instabilité. Si c'est le retard, envoie le feu dans le retard. Est-ce que tu es en train de parler? Parle toi-même. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Rababobobo shake. Mama teke rebaba. Est-ce que tu es en train de parler? Regarde toi-même. Si c'est des blocages, prophétise le feu sur tout esprit de blocage, tout esprit de limitation. Si c'est le célibat dans ta famille, envoie le feu sur l'esprit de célibat par le sang de Jésus. Et le feu de Dieu consume les œuvres des méchants. Proclame le feu. Il répand par le feu. Il approuve ta prière. Il embrasse tes ennemis. Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort. Le feu sur l'esprit de mort. Le feu sur l'esprit de mort. J'envoie le feu sur l'esprit de mort. Libère. Libère les vies. Libère les destins. Esprit de mort. Le feu. Kabare bobo gosha. Randele bosi kata. Ikabare babos. Neko rababa. Rebabos. Ilabara baba. Ekabare baba. Riba baba. Riba baba. Tu rentreras en 2019 en pleine possession de ton héritage. Tu accompliras tes jours. Tu ne mourras pas avant ton heure. Esprit de mort, au nom puissant de Jésus, par le feu du Saint-Esprit et par le sang du Saint-Esprit, par le sang de Christ, nous détruisons tes œuvres. Nous détruisons tout autel qui parle de mort dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. L'Eko Rababa, l'Elebroko Sika. Ne te tais pas, ne te tais pas. Parle toi-même. Sur tes enfants, prophétise la vie. Si tu as des enfants, prophétise la vie. Si tu es malade, prophétise la guérison. Commande à la maladie de te quitter maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. On voit le feu, le feu. Il exerce ses jugements, il exerce ses jugements. Par le feu. Oh, Rabahasa. Esprit qui vient pour diviser les familles. Esprit de serpent qui opère pour détruire les familles. Dans le nom de Jésus de Nazareth, par le sang de Jésus, tu as été désarmé. Nous commandons sur tout esprit de rupture familiale, de divorce, de séparation, de querelle dans les familles, que le feu de Dieu vous consume, que le feu de Dieu vous détruise, que le feu de Dieu détruise tout esprit qui travaille dans les familles pour les séparer. Dans le nom de Jésus le Christ. Rebobo shakata. Imantele broto kosa. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sekata rababa reba. Oh, sikarababa. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Esprit de Dieu, esprit de feu, magnifique présence de Dieu. Ta parole n'est-elle pas comme un feu? Au nom de Jésus de Nazareth, le Christ, à cause du sang qu'il a versé pour nous délivrer. Tout esprit de mort qui avait été envoyé contre le peuple que nous sommes, contre une quelconque âme de nos familles, par le sang de Jésus et le feu de Dieu, nous détruisons
vos œuvres maintenant. Que le pouvoir de l'esprit de mort qui oppresse ta vie soit détruit par le feu du Saint-Esprit maintenant. Tout esprit impur qui te rend malade par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit, que ces maladies soient détruites dans ton corps maintenant au nom de Jésus. De la plante de tes pieds, de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête, que le feu de Dieu consume tout ce que lui-même n'a pas planté. Que tout poison, tout venin du serpent qui a été injecté dans ton corps, dans ta santé, dans ta famille, tout poison, venin du serpent injecté en toi, soit déraciné de toi par le feu dans le nom de Jésus-Christ. Par le sang précieux de Jésus et la puissance de feu du Saint-Esprit, tout cache, tout abri de serpent dans ta vie, dans ta maison, soit détruit par le feu de Dieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui faisais des cauchemars, des rêves impurs, toute attraction avec l'esprit de serpent dans ta vie, il t'a rendu capable de manipuler les gens. Cette influence satanique, cette attirance, cette attraction que tu avais pour le serpent, par le sang de Jésus et la puissance du glorieux Saint-Esprit, nous les détruisons par le feu de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Toutes choses qui se promènent dans ton corps, par le sang précieux de Christ Jésus et la puissance du Saint-Esprit, est rôti et détruit à l'intérieur de toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Toute maladie qu'on a dit incurable, toute maladie que tu sais être incurable, par la puissance du sang de Jésus-Christ, qu'elle soit totalement guérie ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit satanique, tout assaut satanique qui a été libéré contre toi pour t'empêcher de entrer dans ton destin, comme Gédéon qui voulait le bloquer dans l'accomplissement de sa destinée. Tout autel satanique qui parle précisément contre ton destin, qui parle contre les projets de Dieu pour ta vie. Ces autels qui ont été placés dans la maison de tes ancêtres par le feu du Saint-Esprit, que ces autels sataniques soient renversés et détruits au nom de Jésus-Christ. Que ces autels soient réduits en cendres dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été prophétisé, tout ce qui a été déclaré comme parole contre ton destin, contre ta prospérité, contre ton mariage, contre ton épanouissement, contre ta productivité, ta fécondité, ces paroles qui ont été prononcées dans les différents autels sont détruites au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Et ce matin, Dieu des vengeances, lève-toi en faveur de ton peuple, lève-toi en faveur de ton église, lève-toi en faveur de ta famille et exerce tes jugements sur tous les méchants qui accablent, qui oppressent, qui affligent ton peuple. Et Père, au nom de Jésus, que le feu de Dieu consume tout esprit qui s'oppose au peuple que nous sommes, qui s'oppose à la croissance de l'Église, à l'épanouissement des âmes, à la prospérité des âmes. Que le feu de Dieu les localise et détruise tout esprit impur qui travaille contre nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ, toi qui es venu avec des maux de tête chroniques et cycliques et répétitifs, esprit d'infirmité, toi qui oppresses la tête de mon frère et de ma soeur, je maudis tes œuvres, je brise ton pouvoir, je commande le feu de Dieu sur toi, esprit d'infirmité, libère la tête, dans le nom de Jésus, libère la tête, dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu pars et tu ne reviens plus jamais. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous te rendons gloire.
Lorsque David t'a invoqué, il t'a rendu grâce. La Bible dit que ta parole déclare que l'Éternel est répondu par le feu. Ce matin, tu réponds par le feu et tu exerces tes jugements par le sang de Jésus qui a déjà été versé en notre faveur et par le feu de Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te célébrons, nous te louons, nous apprécions tes œuvres, nous apprécions ta personne. Glorieux Saint-Esprit, y a-t-il quelqu'un pour acclamer Jésus le Messie, celui qui nous libère, celui qui nous guérit, celui qui nous délivre, celui qui nous délivre. Toute œuvre du diable qui veut empêcher les âmes de la famille ICC de entrer dans leur destinée en Christ. Toute assaut satanique qui a été libéré depuis le séjour des morts, l'enfer, pour nous empêcher de manifester ce que Dieu nous appelait à manifester. Et là, je parle de toi. Tous ces assauts répétitifs, ces oppressions que tu ressens dans ton corps par le sang de Jésus-Christ et la puissance du feu du Saint-Esprit, elles sont détruites maintenant. Toute forme d'oppression est détruite maintenant. Toute forme d'oppression est commandée par le feu pour la destruction maintenant. Dans le nom de Jésus le Christ, l'année prochaine, tu progresseras. L'année prochaine, tu avanceras. L'année prochaine, tu ne stagneras plus. L'année prochaine, tu t'épanouiras. L'année prochaine, tu te déployeras. L'année prochaine, tu t'étendras. De tous côtés, tu t'étendras. L'année prochaine, tu serviras Dieu. L'année prochaine, tu ne mourras pas. L'année prochaine, tu ne mourras pas. Acclame le Seigneur de la vie, le Prince de la vie, le Dieu qui donne la vie. À lui l'honneur, la louange et la gloire. Seigneur, merci, nous t'acclamons parce que tu es digne d'être apprécié. Tu envoies ta parole. Et ta parole nous fait échapper de la fosse. Tu envoies ta parole et ta parole nous libère. Tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus le Messie? Est-ce que tu es en train de célébrer Jésus le Christ? Gloire et gloire et gloire et gloire à Jésus le Christ, le seul sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Notre Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Dans son palais que tu es, tout s'écrit gloire. Je le dis encore, on regardera à ta vie. Il y aura un seul sang qu'ils seront obligés de faire à ton sujet. Dans son palais que tu es, tout s'écrit gloire. Pouvons-nous acclamer le Dieu de gloire? Tu n'en feras jamais assez. En ce dernier dimanche de l'année 2018, Jésus à toi la gloire. Jésus notre sauveur. Jésus notre libérateur. Jésus notre rédempteur. Jésus est le Seigneur. Est-ce que tu es en train d'acclamer pour Jésus le Christ? Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu ce matin, lève ta main. Si quelqu'un a été visité par Dieu ce matin, lève ta main. S'il a renouvelé ton intelligence, lève ta main. S'il t'a accordé une grâce particulière, lève ta main. S'il t'a visité ce matin, lève ta main. Il envoie sa parole. Il avait dit à Moïse, au milieu de la nuit, au milieu de la nuit. Autrement dit, ce que Dieu a commencé là, tu vas le voir encore vers minuit. Ce n'est pas terminé. Jusqu'à demain, le feu de Dieu parle en ta faveur. Le feu de Dieu va localiser les méchants qui voulaient t'empêcher d'entrer dans ton destin. Ceux qui voulaient t'empêcher de vivre d'une bonne vie, de jouir d'un bon héritage, d'avoir tout ce que Jésus t'a donné. Le feu de Dieu va les trouver. Parce que Dieu a décidé de venger son peuple. Parce que Dieu a décidé de répondre par le sang et par le feu. Mais il faut que tu parles.
Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Je parle à quelqu'un, dis Amen. Mon frère, ma soeur, ton espérance ne sera pas anéantie. Ton destin ne sera pas volé. Ton étoile ne sera pas volée. Vous avez pris ton étoile pour l'utiliser contre toi. Tu récupères ton étoile. Et tu brilleras comme jamais auparavant. Tu brilleras comme jamais auparavant. Il a dit, Dieu des vengeances, fais resplendir ta gloire. Manifeste ta splendeur. La splendeur de Jésus-Christ sera visible dans ta vie. Dans le nom de Jésus le Christ, nous sommes reconnaissants. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous t'honorons. Nous te remercions. Prenons le temps de l'acclamer encore quelques secondes. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être honoré. Digne d'être célébré. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Cette parole que tu as entendue là va t'accompagner. Cette parole que tu as entendue va t'accompagner. Il a dit Moïse, il a parlé à Moïse, il a dit au milieu de la nuit, ça veut dire que cette nuit, entre le 30 et le 31, des choses vont se passer dans ta vie. Le sang précieux de Jésus parle en ta faveur. Et le feu de Dieu agit en ta faveur pour dévorer tes ennemis. Ces paroles s'accompliront. Celui qui le croit, ces paroles s'accompliront. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes paroles. Nous t'honorons, nous te bénissons. C'est poussé par toi que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tu es le Saint-Esprit. Tu es l'Esprit de Jésus. Nous honorons tes œuvres et nous reconnaissons que c'est toi qui fais les œuvres. Glorieux Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin pour acclamer la personne et les œuvres de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Jésus? Est-ce que tu es en train d'acclamer le magnifique, le glorieux Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer le Saint-Esprit? Seigneur, merci.